Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une nouvelle vidéo cooking d'un fondant au chocolat vegan. Alors attention, c'est la première fois que je teste cette recette, donc j'espère qu'elle vous plaira et que vous allez la reproduire chez vous. Bien évidemment, il s'agit d'un fondant au chocolat healthy, donc je vous laisse avec la recette et j'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. Pour commencer, on va venir préchauffer son four à 180 en chaleur tournante. Vous allez avoir besoin de 50 g de farine, 70 de sucre non raffiné si possible, 200 g de tofu soyeux, 100 g de chocolat noir, une cuillère à café de poudre à lever et de quelques caissettes en papier. Avant toute chose, on va venir mettre son chocolat noir à fondre au bain-marie. Pendant ce temps, on va venir mixer ou fouetter le tofu soyeux jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène. On vient y ajouter le sucre, puis mélanger à nouveau. Dès que le chocolat est totalement fondu, on va venir le rajouter, puis mélanger à nouveau. Comme vous voyez, là j'ai pris une spatule pour mélanger, il n'y a plus besoin du fouet. Une fois tout ça bien mélangé, on va venir incorporer la farine avec la levure. Moi j'avais déjà mélangé la levure dans ma farine, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Ensuite vous prenez vos petites caissettes et vous allez tout simplement les remplir. Moi vous avez vu, j'ai pris des caissettes en silicone et j'ai mis mes caissettes en papier dedans. Ensuite vous enfournez environ pour 20 à 25 minutes. Tout dépendra de l'intensité du moelleux que vous voudrez. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à déguster ces délicieux petits fondants au chocolat. Ils sont meilleurs encore quand vous les laissez au frigo et que vous les mangez ensuite. N'hésitez pas à me marquer dans les réseaux sociaux si vous faites des photos et que vous reproduisez ma recette. Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.